Bonsoir, Jesse d'Extra à l'appareil, comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube où une grande drague apprend plein d'affaires vraiment inutiles, mais ça va être tellement divertissant! J'ai hâte de vous montrer ça. On va parler cuisine, de bricolage. On va aussi changer les pneus, faire de la moto. Ha! On commence aujourd'hui, c'est les fêtes, joyeuses fêtes d'ailleurs. Pour les fêtes, on fait quelque chose de très 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 spécial. C'est une recette. Et ce ne sera pas Jessie apprend à cuisiner avec une recette comme ce sera dans plusieurs vidéos, mais bien Jessie apprend à cuisiner grâce à une personne spéciale pour qui la recette qu'on va faire aujourd'hui. Bref, sa carrière a commencé comme mannequin pour Mode Choc, la célèbre chaîne de magasins. Et par la suite, elle a atteint les ondes de TVA à la célèbre émission Vol 920 il y a de cela plusieurs années, hein. Mais depuis, elle vole de ses propres ailes et elle inspire plusieurs femmes. Mesdames et messieurs, Marie-Christine Lamonté! Bonsoir, ma jolie, comment ça va? Bienvenue! Merci d'être là. Un honneur. La joyeuse fête. Qu'est-ce qu'on fait pendant les fêtes? On boit? On boit du champagne! Ouais. On boit du champagne parce que, oui, c'est Noël, mais ça reste quand même une première émission, hein, un premier épisode. Ah, puis il faut célébrer ça. Alors, puisque on est une chaîne qu'on apprend, ça c'est pas du champagne, on dit que c'est du mousseux. Champagne, c'est dans la région de Champagne, qui est une région en soi. Et on le sent au-dessus. Je sais même pas comment faire, on fait-tu avec le micro? Attends, vas-y, le sort, ok. Tu peignes. Je vais pas maintenant. J'ai fait éclater le miroir! Mais j'ai été capable! Non! Hey, j'ai failli éclater le miroir! Oh my god! Oh mon dieu! Hey, je savais pas que ça partait avec un bout, moi. Ouais. Je pensais que ça pouvait juste s'en aller. Hey, t'as fait ça comme un champion. Comme un champion. C'est tellement bien fait. On dirait que c'est genre un moignon. On en sert trois coupes aujourd'hui parce que. On enregistre devant public! Écoute! On enregistre devant public! Vous pouvez aller sur publicsib.ca si vous voulez assister aux prochaines vidéos. On peut s'en mettre plus que ça, ouais, c'est Noël! Un bon champagne de vin. C'est le, il est parfait. Il est tellement bien dosé. Bon ben, santé! Ok! Cheers! Joyeux Noël! Et on a entendu la qualité de mes coupes, toi! Tu wow. Vas pas l'ajouter au montage, ça peut... Il est doux en bouche. Oui, tu veux te mettre dans la grandeur? Oui, j'espère que des fois, je... Cette lumière! Ça te fait-tu un beau petit teint blanc? Mets-tu un peu de fond de teint, un petit peu d'highlight, tu vois, quelque chose? Comme toi, ok, parfait. Il faut garder le contrôle, là. On... Ok, MC, c'est ta spécialité. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? On s'en va à un souper de Noël. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, comme tu sais. Puis du Noël, dit pain sandwich. Mais là, quand je t'ai acheté le pain cette semaine, on m'a parlé d'un pain surprise. Parce qu'on en parle, moi, chez nous, c'est un pain autobus. Pourquoi? Ça s'appelle un pain autobus parce qu'il y a deux cliques. Okay? Il y a une clique qui fait son pain avec un fromage Philadelphia, mayo, qui va aller enrober le pain qui est en forme d'autobus. Comme vous voyez, on se passe pas le dessert. Hein? Là, c'est blanc. Et dans ce cas-là, ça, ils appellent pas ça un pain autobus. Mais ma mère! Oh non, mais pas du cheese whiz! Du cheese whiz. Mais là, toi, tu le fais pas avec du cheese whiz. Non, okay. Moi, je laissais ça de côté. Pas BS. Hein. Moi, j'ai vu du monde faire des pains sandwich BS. Ah, il faudrait arrêter d'utiliser le terme BS. J'ai vu du monde faire des pains sandwich de type bas de gamme. Fait que ça vient du lac, cette histoire-là. Oui, le pain sandwich vient du lac. Tout le monde au lac Saint-Jean, ça c'est quoi? Saguenay aussi. Quand tu t'es loin, Québec, ça se rend. Ça se dilue, putain. Alors, ici, c'est un mythe. Alors ça, c'était l'étape la plus difficile, c'était d'aller voir à la boulangerie pour avoir un pain tranché sur l'autre side. Alors que chez nous, au Maxi, pour pas le nommer, il y en vendent. Il y en vend des coloris. Faut-tu un sapin avec? Tu sais, par-dessus l'autre? Certainement. Puis, faut-tu que tu sois décroûté? Ma mère, elle enlève la croûte un peu sur le side. Cette personne-là, elle va pas rester, puis on va y slicer un peu à la chienne de ses sides. Fait qu'il y a étape 5, slice à la chienne. Fait que là, on a du pain. On n'a pas de cheese whiz. Nous, on fait l'autre qui est meilleur. Quand tu grandis, tu prends tes propres décisions. Donc, pourquoi ça s'appelle un pain sandwich? Ouais, pourquoi? C'est que c'est un grand pain dans lequel on va retrouver une énorme sandwich à partager en famille. Alors, on retrouve les favoris du public. Top 3, les œufs. Les œufs. Top 2, les... Moi, j'adore les deux qui restent, mais j'ai déjà répondu. J'ai déjà bon! Et voilà. Alors voilà. Alors Alex, t'as choisi une pièce incroyable. Ouais, je vais recevoir ma famille à Pâques avec ça. Puis il est à l'érable, il fait maison. Le cochon, il fait maison. Puis en plus, c'est fou, il est vegan.
De quoi tu parles? De jambon. C'est quoi le 3? Poulet. Poulet! Là, de même, c'est vraiment pas sexy. Alors là, après ça, on va aller étage en étage, aller faire le mélange. On appelle ça une farce. En plus de ça, là, dans la farce, on va avoir besoin de ciboulette. J'ai lu que ça, c'est à l'ensemble. Je trouvais ça vraiment bizarre d'acheter un poivron vert. Ah, j'en ai acheté un autre, j'en ai un autre aussi. J'en ai toujours un dans ma sacoche. Est-ce que le public peut nous apporter le piment? Très rare. Deux piments verts. Pourquoi c'est rare? C'est que personne qui achète ça, tout le monde a compris que ça coûtait le grand cul, que c'est du rouge, du jaune, du rouge. Ok. Merci, public. Il manque des échalotes ou, comme il m'a appelé, des oignons verts? Ça va aller dans le mélange. Moi, je le vois, là. Je mets la recette dans ma tête et dans mon cœur. Et dans mon sang. J'ai un gros sang au jambon. C'est du cholestérol. C'est ce que tu veux me dire. Du beurre, parce que ça met de bonne humeur. De la crème. Je m'attendais à quelque chose. Non, j'avais rien à dire. Fait que là, moi, je pense que je diviserais, puis on commence avec les œufs, on fait bouillir. Ça sent bon. Oui, comment t'appelles ça, toi, ça? Ça, j'appelle ça des échalotes. Moi aussi. Alors, pour faire des œufs cuits durs, c'est extrêmement facile. Vous mettez de l'eau dans un chaudron, vous incorporez les 10 œufs, vous ouvrez le four à masse, et une fois que ça bouge, vous attendez 8 minutes. Maman Dion peut aller se rallier. Ça part. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I got to go away. Baby, it's cold outside. La prochaine, c'est... Pa-p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 a. Pourquoi je pars à capella? Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Ça. Je chantais ça dans un spectacle qui s'appelait Star Kids quand j'avais 10 ans. T'étais en fait d'affaires de gars de Sorel? Je jouais au 11 ans. Non! On a Magic Bullet, Marie, ça raconte Magic Bullet. Une fois que les œufs vont bouillir, là on a mis les œufs au feu. On a mis les œufs sur le rond. Dans le feu. Dans le feu. On va utiliser Magic Bullet pour faire le mélange parce que je trouve que c'est meilleur, mon cher... Jesse. Tu peux dire ma chère aussi si tu veux, oui, j'ai un grand vagin. Si pendant que tu es parti, j'aimerais ça vous montrer à quel point on est passé Noël et qu'il fait chaud. Fait chaud, c'est juste toi qui es hot, burning hot. Oh, I'm burning hot, you know? Là, ce que je fais, ma belle chum, c'est qu'on s'en va couper le poulet. Des poitrines vegan, ça? Des poitrines vegan qui ont été élevées en captivité. Nourries aux grains et élevées sans agent de conservation. Hey, ça va? T'es ton œuf d'outil. Ok, 8 minutes, il était quand? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, allez, 23. Tu calcules tes œufs, moi je les crisse dans le mur, t'es peut-être pas son frère. Là, c'est un jeune, mesdames et messieurs. Là, le poulet, on le met dans le Magic Bullet? Que j'aime mieux? Attends, laisse-moi penser. Je pense. J'aime-tu mieux le mettre en purée avant purée, c'est-à-dire en petits morceaux, et après ça, manger avec la mayo, c'est le poivre? Oui. Ben oui. Ben oui, j'aime bien ça. Ben oui. Hey Marie, qu'est-ce que tu te souhaites pour cette prochaine année? Ben, moi, 2019 a vraiment été une belle année. Hey, vraiment. Je dirais que je m'attendais pas à tout ce qui se passe. Puis je pense que la pensée positive, le fait que tout allait bien, puis tout se présentait à moi, même avant que je pense. Donc, pour 2020, ce que je me souhaite? Pour 2020, je me souhaite beaucoup de sexe. C'est casse. Puis là, faut être vigilant. Il y a du monde qui se propose de faire le pain sandwich. Qui prennent pas ça au sérieux. Là, t'arrives chez ta tante à Noël, pis elle a dit, ma tante Manon, faut pas en nommer. Au lieu d'acheter du beau jambon de même, des tranches. Ça, là, ce n'est que déception. Il est de 23. Qu'est-ce qu'on fait à 23? On retire les œufs. Le public trouve que je ressemble à Rocco. En tout cas, Rocco Magnetto. Ben non! Oh, ah ouais. Ok, hey, voici ce que ça donne, le petit poulet en flocon. Là, on va faire l'étape 2. Hey, j'ai vraiment envie d'aller me changer, mon Dieu, c'est disgracieux. Hey, on est revenu changer. J'ai aussi brisé cet entre-là, fait que vous allez me voir dans mon accoutrement des plus sexy. T'es capable d'éplucher ça, toi, des œufs cuits durs? Oui. C'est la personne qui va les éplucher les plus vite. On en a 4 chacun. Une bonne tolérance au... Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts, ils ont ouvert, mesdames et non! messieurs! Hey, le jour où il se sépare tout seul, chill! Oh, il y a une tête là. C'est un chapeau. C'est un effet. Il est vraiment pas tôt! Ah! Attends, non, quel idiot, man! Quel idiot! Quel idiot! Moi, j'ai déjà touché mon premier. Tu
Fais attention, il y a des coquilles d'œufs en arrière de toi. Fait que 3, 2, 1. Et de 1. Bon, mais j'ai clairement perdu. C'était vraiment le jeu avec le plus de suspense qu'on a vu dans toute notre vie. Est-ce qu'on joue à la bouteille? Ouais. Fait que là, on a des œufs, on a du poulet qui est en petit mouton. En petit mouton, mais en petit mouton. Ça, c'est flocon. Prêt à être bientôt réparé. À réparer. Tout va bien. Est-ce que t'as un pile patate ou si t'as rien, une fourchette? Merci. Ça m'a fait plaisir. C'est moi le deuil de la salmonelle. La salmonelle, t'es pas mort. Ça, c'est un mythe, hein, mourir de la salmonelle. Ben, ça se peut, j'imagine. Mais c'est sûr qu'après 4 jours de gastro, tu te poses des questions. Il y a un membre du public qui s'est levé pour venir en cuisine et nous dire que si on faisait trop broyer nos œufs, ça venait de la mousse. Donc, ne broyez pas trop vos œufs, ça va devenir de la mousse. Toujours bon, ça va. Bon. Un bon et blanc froid, on boit ça. On le sort dessus, celui-là. Marie-Christine, qu'est-ce qu'on boit? Alors, ce soir, on a un cépage de type bain chienne et on est allé pour le classico-classique Twist Cap. Non, c'est pas vrai, c'est pas tant un beau cheap, c'est quand même un bon. Ça sent absolument rien. Mais mettons, moi, les gars que je date, si je mets des bobettes taille haute, ils capotent. Ils sont genre, astic, c'est beau. Mais mettons, les gars du lac, ils feraient comme, voyons, astic, les bobettes taille haute. Aussi, je suis célibataire, si jamais vous voulez déposer votre candidature, alors vous pouvez l'envoyer ici au email, là, jeunedemoisellerecherche@unmecmortel.com. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email! Jeunedemoisellerecherche! On a broyé le poulet, si vous voyez des moutons, checker magie, il se défend. Le jambon, si vous voyez des moutons, magie, il se défend. T'as-tu une cuillère de bois, quelque chose qui me ferait sentir Martha Stewart? C'est du monde qui a passé des langues de chat. Si tu veux mon avis, j'irais avec des échalotes dans le poulet, des ciboulettes dans les œufs. Ça me tente tellement pas de me faire chier. Prends des ça fait très... J'étais allée à ma part quand j'avais 16 ans. Certaines affaires que tu oublies pas. J'avais 10 ans, ma mère. Elle m'appelait quand j'avais des gars, elle était genre... Alex! Parce que dans le temps, je m'appelais Alex. Ça, c'est tout récent, mon changement de nom. Jessie à Drag Queen! Jessie à Grand Drag! T'es revenu de l'école! Fais-nous cuire un poulet entier! Je fourrais ma main dans le cul d'un poulet, premier cul que j'ai. Êtes-vous déjà chaudaire? Toi, t'as l'air de la fille que le temps des fêtes, c'est ta fête? Ça l'était pendant très longtemps. Ah, pourquoi ça l'est plus? J'ai dû déposer à 22-23 ans. Mais là, c'est plus ta fête préférée. C'est quoi ta fête préférée de bord? La fête des morts. Ça, c'est une période creuse. Je trouve ça Noël! 2019, c'est une année creuse. Alors, c'est sûr que j'aurais pris une petite tape. Oh! Woody, fais le test. Je le boirai. Hein? Je le boire. Manque de quoi? Qu'est-ce qui manque? J'ai pogné 3 gros morceaux de sel. Moi. Je les ai sentis passer sous la dent. Mais... Branlons-la la bouteille, pis j'aime pas qu'on me chatouille la bisoune. Ce sont des chansons du jour de l'an. Ma phobie, en d'autres. Eh, moi aussi! Dans ma famille, au jour moi de l'an, aussi. Tout le monde a sa chanson à répondre. Mon père, c'est... Et encore, il disait... Oh, ça sent la boutade! Pis là, y'en a un autre. Dans un petit coin noir avec la cuisinière. C'est bon, bon, le mariage, le malada, dans le jour de l'an. Et y'a pire, pire! Ma mère, elle aime ça, elle aime ça. On parle plus de ma mère, ça fait 10 ans. Nat! Nat! Tu sais quoi faire pour revenir vers ta fille? Elle nous met ça. Elle a même déjà essayé d'apprendre le violon. C'est sérieux, ça? Ma mère, elle essayé d'apprendre le violon quand elle avait 40 ans. On faisait des œufs, les autres, avec ça. Mais on brasse son œuf. Je tiens à vous dire que sur la recette, c'était écrit 15 minutes de préparation, 15 minutes de cuisson. 3 heures. T'as-tu mis de la ciboule? C'est ça qui manque. Ici. Ici. T'es prêt? Ah! Pour oui, t'es-tu prêt? Denise! Il me plaquait à son fils! C'est quoi ça? De mon sel. Je dirais Télétoon année 1, là. Lance des roues chez Télétoon. Chez Télétoon! Garde ton placard, garde ton placard. Oh, tu peux pas du mal comme moi? Non, elle se met à rapper pour ça. C'est vraiment des gros morceaux de ciboulette. La mer! Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Ça a vraiment pas rapport.
Là, on va remplir le pain sandwich qui est l'étape numéro 72. Fait que tu disais tantôt qu'il faut enlever le dessus. Oh, et le dessous? J'y enlève la chienne, vraiment un peu. Juste trimer. Fait que là, on coupe. On n'a pas besoin de faire ça, tu sais quoi, on annule. On annule. Fait que là, à chaque fois qu'on fait une tranche, on met une sorte de farce. Oui, mais on en met beaucoup, là. Puis on commence avec jambon. Jambon, première étape. On est rendu au poulet, on est rendu au deuxième étage, poulet. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Ma servante. Pendant que Maria Carré se faisait aller. Maria Carré. Maria Racine Carré. La Christine a terminé le pain sandwich. La pressure, ben j'ai pas encore fini. Là, on a mis jambon, poulet, œuf. Jambon, poulet, œuf. Jambon, poulet, œuf. Alors là, il nous reste que du poulet pour la dernière étape. Je comprends pas ce qu'on vit, c'est incroyable. C'est gros, on est rendu à la dernière étape, parce que là, Erickson a fait mon job. C'est le pain sandwich inspiration tour de piz. Tour de piz, comme diraient des gens de Saint-Gilles. Non, les fameux. Le plastique tue les gens dans l'eau. Les gens dans l'eau? Oh, tous ces plongeurs. Ça, faudrait mettre ça dans un plat, les deux ensemble. Un peu de maillot, un peu de crème. Non, ça, un peu de crème. Martine, elle va te beurrer ça, ma mère. C'est qui, Martine? C'est moi. On va le faire chacun de notre bord. Faux. Qui va faire le plus beau? Super. Viens. Dernière étape qui beurre, qui badigeonne, qui fait le plus beau contour de pain sand. Faut que tu t'appliques, hein. Elle veut pas perdre, elle veut juste que ça soit beau. Mais tu crois que c'est populaire? Hey, ça ressemble de plus en plus à un délicieux gâteau blanc. Finalement, on est une équipe, là. J'embarque tellement sur le tien, là, que je suis contre une équipe. Tiens, il manquerait un petit peu, là. C'est encore dans mon bord. Check ça, le beau pincel! Hey! On a réussi la première recette de cette chaîne-là, qui est un délicieux pain sandwich. Prêt pour vos fêtes, si vous avez envie de cuisiner ça, vous avez juste à réécouter toutes les minutes d'avant. Sûrement que c'est très pas clair. Mais au moins, on a du pain enrobé, de fromage à la crème, beaucoup d'alcool, parce que c'est la magie du temps des fêtes. Plus qu'on avance dans cette vidéo-là, plus mes verres ont l'air de valoir cher. Merci d'avoir été là, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo, dans un futur proche, on peut suivre la belle MC. Merci ma belle MC. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, elle est ici. Mais elle est aussi sur les réseaux sociaux, je vais mettre ça dans la barre d'infos. Fumez aussi, mettez un j'aime, abonnez-vous, faites plein d'affaires, là, ce qu'il faut, là, parler. Dites-moi si vous avez fait le pain sandwich aussi, si c'était bon. C'est terminé officiellement, on part à notre party de Noël, on va vous donner des nouvelles à savoir si c'était bon ou pas. Et nous, on se retrouve plus tard, on part à l'aventure. Bonne soirée!